Dans cette maison, loin du tumulte, je me suis posé pour faire ce que j'aime le plus au monde, des rencontres. Découvrir des itinéraires inspirants. C'était difficile, parce que du coup, j'ai vraiment appris ce que c'était la faim, en fait. Pendant plusieurs jours, on pouvait me nourrir de papier journal. Mais aussi comprendre mieux ses parcours hors du commun, grâce à ces êtres qui ont aidé mon invité à franchir les obstacles et grandir. Quand on parle avec elle, cette petite fille n'a jamais subi. Elle a toujours refusé d'être une victime. Et c'est pour ça qu'elle est vivante. Une occasion pour chacun d'entre nous de partager mille et une vies. Mais à cet instant précis, j'ignore encore tout des émotions que je vais vivre ce jour-là. Je m'apprête à recevoir Hazel, une jeune femme au destin hors du commun. Elle est de ceux qui reviennent de l'enfer. Fille de prostituée et d'un client de passage, sa mère ne veut pas d'elle mais la garde. Elle devient un enfant objet, utile et jetable. Elle aurait dû mourir 100 fois et pourtant elle est là, vivante et resplendissante. Aujourd'hui, Hazel sourit et veut se raconter. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Enchanté. Enchanté. Content de vous rencontrer. Moi aussi. Vous venez de Chartres ? Chartres, oui. La route s'est bien passée ? Pas de soucis, pas de problème. Tout est bien. Je vous débarrasse ? Oui, je veux bien juste ça. Ok. Qu'est-ce que je vous sers ? Un petit thé, ça serait bien. Ah bah génial, venez. Oui. Venez dans la cuisine. Vous voulez que je vous aide ? Alors, pour faire le thé, je vous laisse le faire parce que je suis nul en thé. D'accord. Faut de l'eau chaude, c'est tout. Faut de l'eau chaude. Ouais. Elle est chaude, regardez. J'avais tout prévu au cas où. Je suis très intimidé par vous. Parce que j'ai du mal à réaliser que la jeune fille de 25 ans qui est là a vécu tout ce que vous avez vécu et se tient debout, resplendissante. Comme quoi, tout le monde peut y arriver. Moi, je vous remercie de me faire confiance. Mm-hmm. Est-ce que vous faites confiance facilement? Quand on a ma confiance, on l'a. Mais c'est dur de l'avoir. Mais parce qu'on se dit que quand on a vécu ce que vous avez vécu, c'est même hallucinant qu'on ait encore confiance en l'humanité. Oui, c'est vrai, mais l'humanité, elle est, comment dire? L'humanité est très riche, aussi bien dans le côté positif que négatif. On vous a dit combien de fois dans votre vie que vous avez un petit air de Nathalie Portman ? Pas Nathalie Portman, on m'a souvent dit Julia Roberts. Ce qui est pas mal. Dans le bus. Ce qui est pas mal. Oui, oui, mais du coup, il y a tout le monde dans le bus qui se retourne. Vous vous sentez bien ? Très bien, un peu fin, mais ça va. Un peu fin, regardez. Oui, oui, avec cookies. Allez-y, prenez, prenez. Pour préparer cet entretien, vous avez la gentillesse de m'envoyer des photos. Oui. Je me suis permis de les disposer dans l'atelier, vous allez sans doute les apercevoir. Et moi, je propose qu'on s'installe dans le patio. C'est un des endroits préférés de la maison. Regardez, je vous laisse. Toc, c'est parti. This is to end in fire. Then we should all burn together. Watch the flames climb high into the night. Calling out, Father, home. Send my and we will watch the flames burn up and on the mountainside. Quelle histoire! C'est ça qui est bien. Quelle histoire! Qu'est-ce que vous voyez dans ses yeux, vous, aujourd'hui ? La souffrance, en fait. C'est triste. Ma demi-sœur, qui, elle, vivait un petit peu moins mes galères quotidiennes, elle a un regard d'enfant. Moi, j'ai un regard de vieille. Je pas de peur, sourire, la peur, oui. La tristesse. Ouais. Dans votre livre, vous dites, pour moi, le mot enfance, c'est synonyme de enfer. D'abord abandonnée à la naissance, dans un orphelinat de Saint-Pétersbourg, Hazel a 3 ans, lorsqu'une femme et un homme viennent la reprendre. Elle est encore très jeune pour comprendre qu'il s'agit de sa mère et de son beau-père. C'est quoi les premiers souvenirs que vous avez ? Je sortais donc dans la rue avec une femme et un homme inconnus, une femme qui prenait la main. Donc des gens que je connaissais pas, dans un endroit où il faisait nuit, il faisait froid, il y avait ce réverbère qui jetait une lumière... blafarde, carcérale, vraiment une lumière
pas du tout agréable. Et cette lumière était lacérée par des flocons de neige. Tout ça, pour un enfant, pour l'enfant que j'étais, c'était quelque chose qui faisait peur. Et vous savez ce qui se passait ce jour-là? Non, mais après, l'histoire de ma vie m'a fait comprendre que la femme à côté, c'était ma mère biologique, une prostituée, et que l'homme, c'était son nouveau mari, donc mon beau-père. Et pourquoi elle vient vous chercher? Pour faire de l'argent. Faire de l'argent avec moi. Par tous les moyens et tous les procédés qui étaient possibles, je pense. Et pour qu'on ait un portrait d'elle comme ça, donc elle se prostitue, Oui, elle se drogue, elle est alcoolique. Enfin, vraiment, presque le stéréotype de la pauvre fille, quoi. Avec violente. Un mari, voilà, violente, avec un mari qui est son mac, en fait, grosso modo. Qui n'est pas votre père? Qui n'est pas mon père, non, mais qui est le père de ma demi-sœur qu'on a vue sur la photo. Mmh. Oui, c'est vraiment une pauvre fille à l'abandon, qui est finalement, malgré la meilleure volonté du monde, irrécupérable, je pense. On avait parlé de la tristesse, de la peur sur mon visage. Elle, c'était de la haine. Et mon beau-père, c'était de la colère. Alors vous dites, cette femme, à l'âge de 3 ans, vient me chercher dans un orphelinat pour m'utiliser. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, en tant qu'enfant, c'est vraiment la manche. Quels souvenirs vous avez de ces moments? Humiliant. C'est des instants. On est humilié à 3 ans et demi, 4 ans? Oui, oui, l'humiliation, autant la tendresse. On peut ne pas la connaître, autant l'humiliation, on la connaît. Et d'ailleurs, c'est quand je vois des mendiants, voilà, mon cœur se serre parce que j'ai vécu ça. Et comme je vous disais, les petits détails dont on ne pense pas, par exemple le talon des femmes qui marchent sur le trottoir en face de vous et vous avez juste la main tendue et vous dites « si je n'ai pas assez d'argent, je vais me prendre une raclée, donc s'il vous plaît, donnez-moi ». Et le regard dédaigneux des gens qui passaient, c'est vraiment l'humiliation, humiliant. Qu'est-ce qu'elle vous demandait de faire ? Elle me demandait de me laver dans la chambre communautaire, enfin, dans l'immeuble communautaire, de me laver comme ça en prenant des positions. Mais moi, je prenais, donc je l'obéissais, sinon c'était un aller-retour dans la figure. Et sauf que le problème, ça aurait pu s'arrêter là, sauf qu'il y a des hommes qui venaient et qui m'ont regardé faire ça. Et donc, du coup, c'était voilà, une sorte de glissement de terrain vers la prostitution qu'elle connaissait. Vous dites dans le livre qu'à 6 ans, elle vous teignit les cheveux pour vous vieillir. Oui, pour que les messieurs ne culpabilisent pas d'avoir une petite fille aux cheveux blonds, ils préféraient... Quand vous dites « j'étais à l'abandon », est-ce qu'elle vous nourrissait, par exemple? Nourrissait, non. C'était à moi de trouver de la nourriture, à moi de trouver un abri, des choses comme ça. C'était difficile, parce que du coup, j'ai vraiment appris ce que c'était la faim, en fait. Quand on a vraiment faim, c'est qu'on est prêt à tuer quelqu'un juste pour avoir une miette de pain. Ça ne s'oublie pas. Le corps est là, il vous réclame. C'est vraiment, on est dans la survie, on n'est pas dans la réflexion. Après, vous êtes à Saint-Pétersbourg. Toujours à Saint-Pétersbourg. Vous avez 5-6 ans et vous êtes à l'abandon dans la rue, vous devez vous nourrir. Voilà, c'est ça. Donc le plus simple, c'était les vols, voler sur les étals. Mais bon, une fois, je me suis fait prendre et le flic a bien joué de la matraque. Donc après, il y avait des poissons toujours, on était dans le quartier de Port. Et donc je mangeais les poissons qui étaient jetés aux yeux blanchis, qui étaient tout blancs. J'en ai rien à faire, tellement faim, je les mangeais comme ça, la tête, les arêtes, la queue, tout devait passer. Je mangeais des écorces d'arbres aussi, parce qu'en face il y avait un parc, je mangeais des écorces. Et par exemple quand j'étais enfermée plusieurs jours dans la chambre, puis on voit un morceau de papier qui traîne, et bon bah j'en prends un, et puis bon, ça va calmer quoi. Et comme ça pendant plusieurs jours je pouvais me nourrir de papier journal. Exploité. Affamée, la jeune Hazel doit aussi subir les coups répétés de son beau-père Léon, en proie aux démences de l'alcool. Mais le coup le plus rude est pour Hazel l'indifférence absolue de sa mère. Pendant cette période-là, qu'est-ce qui est important pour vous? On l'a vu, survivre. Mmh. Et au fond, vous êtes dans une prison. Comment on arrive à s'échapper de cette prison? C'est ma demi-sœur qui m'a franchement mis un coup de pied au cul en disant « tu continues pour elle ». Parce que, comme je vous disais, à un moment, j'en ai marre. Je veux m'arrêter. Stop, stop. J'en ai marre de manger papier journal. J'ai froid, j'ai faim, je suis fatiguée. J'en ai marre de me faire taper dessus. Sauf que ma demi-sœur, elle... Et quel âge à ce moment-là? Elle devait avoir 3 ans. Elle disait, mais j'ai faim, moi, j'ai soif, j'ai froid. Donc du coup, ça m'obligeait à me lever, à dire, bon, attends, écoute, je vais te donner ça, mange ceci, et voilà, des choses comme ça. Vous étiez protectrice avec elle? Oui, oui, franchement, oui, j'étais... Ça vous donnait une raison d'être? Une raison de vivre, voilà, une raison d'avancer aussi. J'avançais pour elle, essentiellement. Et les adultes qui vous croisaient à l'époque, ils voyaient quel genre de petite fille? Il y a des adultes qui me dénigraient, qui n'avaient rien à faire, l'indifférence,
des adultes qui me prenaient aussi en pitié, qui me donnaient à manger. Ce sont des anonymes. Vous avez ce souvenir-là ? Voilà, des gens où j'étais dans une grande surface. Et une dame sort et me donne un sandwich inespéré. On ne croirait pas, comme nous qui mangeons des sandwichs. Voilà, qui m'avait donné gentiment. Un monsieur qui a fait du caramel dans une petite cuillère, que pour moi. Des choses comme ça, ce sont vraiment des gens qui ont, voilà, qui ont mis un peu de chaleur dans un monde, dans mon monde glacial. L'enfance pour Hazel n'est qu'un mot, vide de sens. Elle est allée dans la souffrance, plus loin que l'on peut l'imaginer. Jusqu'à cette nuit d'hiver de ses 6 ans, où elle assiste à un drame qui va lui brûler les yeux. Alors ce qui est fou, c'est que cette période de maltraitance va connaître une fin, et que ce qui va être votre salut est une tragédie. Oui. Donc vous avez 6 ans et demi, et ce soir-là, votre vie va basculer. Mmh. Ma mère biologique traînait avec ses copains de boisson dans la rue, et un soir comme ça, et a été particulièrement défoncée ce soir-là. Et à un moment, un homme passe et elle me regarde, j'étais avec ma demi-sœur, et elle me dit « Tiens, je vais te montrer comment tuer un homme. » Donc... Vous vous rappelez de cette phrase ? Je me souviens, oui. Et puis, à un moment, un homme passe, comme ça pourrait être n'importe qui, et puis elle le prend, comme ça, et elle le poignarde de façon jouissive. Et moi, j'ai vu ça, et à un moment, je ne pouvais plus fermer mes yeux. J'étais paralysée sur place. Et le seul courage que j'ai eu, c'est de prendre la tête de ma petite sœur et de la cacher dans mon ventre. C'est ce réflexe voilà, j'ai juste, voilà, juste ce réflexe de la cacher. Mais moi, je restais sur les yeux sur massacre, enfin sur cet assassinat. Cet homme, son regard, son souffle, sa chaleur, sa chute. Et tout, ça a ensuite allé très, très vite, en fait. Justement, c'est quoi les images qui suivent ? Les images qui suivent, c'est que tout allait très vite, un affolement. Après, je ne vois plus ma mère, mon beau-père qui arrive, ma demi-sœur qui disparaît, qui n'est plus là, emmenée chez la grand-mère, est-ce qu'on me dit. J'étais dans l'appartement, et puis ensuite, il y a mon beau-père qui m'enferme dans les toilettes. Il dit, je reviens. Et il n'est jamais revenu, en fait. Et qu'est-ce qui se passe après ? Vous êtes prise en charge par qui ? J'attends un peu. Et après, je commence sérieusement à m'énerver. Je commence vraiment à avoir peur. Là, mais sortez-moi, j'ouvre la porte ne s'ouvre pas, rien ne s'ouvre. Et à un moment, j'ai soif, j'ai faim. Je ne sais pas combien de temps j'ai été enfermée. Donc, je commence à boire l'eau des toilettes. Je me dis, bon, c'est toujours ça, voilà. Et à un moment, je m'éteins, en fait. J'ai plus de souvenirs, tout est noir. Et je réouvre mes yeux, j'entends du bruit derrière la porte, des bruits, des voix d'hommes, une voix de femme. Donc j'essaie de reprendre mes dernières forces, de continuer et dire ah, « je suis là, venez m'aider ». Et là, la porte s'ouvre, je vois une femme de police blonde qui s'approche de moi et là, plus rien. Et donc ça va s'enchaîner, vous allez vous retrouver dans un orphelinat. Comment cet enfant que vous êtes apprend qu'elle est adoptable ? Et en fait, il y a eu deux phases. Il y a l'arrivée à l'orphelinat, bon, je fais ma place. Mais ensuite, je suis allée revoir ma mère biologique. Et là, c'est... Alors, c'était la dame blonde que j'avais vue, qui m'avait trouvée, qui m'a emmenée au commissariat. Et là, je vois ma mère biologique dans une cellule de l'autre côté. Et je vois ses mains cramponnées sur les barreaux. Et elle s'avance vers moi. Et là, c'est là que j'aurais voulu me cacher les yeux, me boucher les oreilles. Et elle me regarde et elle me dit, de toute façon... Tout est de ta faute. Et là, c'est juste une balle dans la tête qu'elle m'a mise, mais jusqu'à la fin de mes jours, car elle a fait naître le sentiment de culpabilité irréversible. Et c'est ça le poison, le pire poison qu'elle ait pu me mettre. C'est pas les coups, c'est pas la faim, c'est pas l'humiliation. C'est juste cette petite phrase meurtrière. Le geste terrible de la mère d'Hazel est aussi celui qui va sauver la petite fille. De sa prison, la mère est déchue de ses droits. Hazel reprend alors le chemin de l'orphelinat, mais avec l'espoir d'y être adoptée, définitivement. Ces images, tournées en 1997 pour un documentaire, sont celles du jour où la vie d'Hazel va basculer à nouveau. Elle a 7 ans. Dans ses yeux, on ne lit que la méfiance, mais des gens l'ont habillée joliment. Sur un album photo, elle découvre une vie promise en France, et le visage de sa future maman, Adeline Fortin. J'étais à l'orphelinat, et puis une dame d'orphelinat qui vient, qui me dit, ça dit d'avoir une nouvelle maman. Donc je dis, c'est quoi une maman ? Franchement, j'étais en danger, les peluches. Et elle fait, je te demande pas de savoir ce qu'est une maman, je te demande si t'en veux une, point barre, quoi. Je cherche pas plus loin. Alors moi, du coup, j'étais vu que d'une bonne humeur. Je fais, ouais, pourquoi pas, allez, vas-y. Parce qu'en fait, j'ai appris plus tard qu'à partir de 7 ans, un enfant a le droit de refuser ou non d'être adoptable. Et si j'avais dit non à cela,
Ben, je serais pas là aujourd'hui non plus. Voilà, exactement. L'adulte que vous êtes aujourd'hui lit quoi dans le regard de cet enfant ? Moi, j'avais pas peur. Mais voilà, j'étais impressionnée de toute cette attention à mon égard. J'étais cette dame qui me parlait, des photos, des livres, ah d'accord. Donc elle a fait un album sur sa vie, en fait. Voilà, sur sa vie, sa photo, photo du chien, d'un monsieur, d'une vieille dame. Et donc du coup, cette rencontre ? Voilà, cette rencontre, elle était forte en émotion pour tout le monde. Elle a été tremblante, parce que du coup, elle voyait son... Vous rappelez ça ? Oui, ouais, l'émotion. La petite remarque que cette femme tremble. Voilà, l'émotion. Moi non, au contraire, j'étais très refermée une fois de plus. Mais je savais que cette femme me voulait de la bienveillance. Elle cherchait à attirer mon attention. Et donc je la sentais très impressionnée, très émue. Mais elle aussi, elle sentait que moi, j'avais d'âme d'orphelinat, j'étais en représentation. Et je voulais pas attirer, je voulais attirer son attention de façon discrète. Donc je lui donnais à manger, des choses comme ça, très polie. Elle me fait des chatouilles. Mais... Vous connaissiez les chatouilles ? Non, donc mais c'est très désagréable. Vous savez pas qu'il faut rigoler ? Non, voilà, mais c'est très désagréable. Parce que, ah ! Et là, c'est vraiment le premier instant d'intimité mère-enfant de notre relation, entre guillemets. Elle a pu m'adresser un bisou, des choses comme ça. Elle-même a vu que voilà, les frontières étaient coupées, quoi. Donc elle vient vous chercher et vous allez arriver dans un nouveau pays. Quelle image vous avez de ce nouveau pays ? Ah, la France, c'est vraiment fantastique. C'est des plaines à perte de vue. Vous imaginez ça ? Ah oui, j'ai vu ça dans un film. Je me dis, oh là là, mais c'est des diligences, c'est des cow-boys, c'est des chevaux avec le coucher de soleil, le papa, la maman. Je voyais la petite maison dans la prairie, tout ça. Je me dis, oh là là, mais ça va être fantastique. Et quand vous arrivez, vous ne découvrez pas des chevaux, vous découvrez une Clio. Ouais, je sors de l'aéroport, paf, Clio, rouge. Et après, je regarde un peu ailleurs, mais ils sont où les poneys, ils sont où les chevaux ? Mais du coup, ma mère, ne parlant pas ma langue, elle ne comprend pas mon désespoir de ne pas être dans un western. Et donc, c'est vrai que c'est une première claque. Et donc, les sensations, parce qu'il va y avoir beaucoup d'informations nouvelles pour cet enfant. Au début, c'est tourbillon, mais positif. Beaucoup de gens qui me veulent du bien, j'ai tout ce que je veux. J'ai une chambre à moi, des lits propres, un drap propre, des vêtements propres, beaucoup de choses. Et un moment, c'est que ça tourne, mais trop vite, beaucoup trop vite. Et un moment, on fait « Oh là là, je suis plus, je comprends pas, voilà. » Et donc, il y a eu un moment où je ne me suis pas sentie bien. Tout ce que j'avais vécu, ce que je disais « Bon, bah, je le mets ça pour plus tard, je réglerai ça plus tard », ça revient. Des cauchemars, parce que du coup, ma mère biologique, son ombre était toujours dans la mienne. La première peur que j'avais, c'était que ma mère biologique et mon beau-père reviennent me chercher. Et ça, c'était vraiment, ça m'a duré des mois et des mois. On me disait, non, c'est pas possible. Je dis, non, vous les connaissez pas. Vous savez pas à quel point ils sont méchants, à quel point ils peuvent... Quand ils veulent quelque chose, ils l'obtiennent. S'ils veulent me revoir, ils mourront, ils viendront me chercher. Donc c'est une peur qui m'a gardée plusieurs mois. Donc je faisais des cauchemars la nuit, je me cachais derrière les armoires. Donc c'est vrai que c'était assez difficile. Avec le recul, puisque vous êtes adulte, on peut parler de dépression pour un enfant à ce moment-là ? Oui, je pense, oui. C'est vrai qu'il y a des photos où j'ai le regard vide. Mais je pense que c'était nécessaire de faire une purge comme ça, de se vider pour pouvoir remplir de bonnes choses maintenant. Après des mois d'accalmie, Hazel plonge, elle ne veut plus se nourrir, se fait du mal et devient agressive avec Adeline, sa nouvelle maman. Elle est si peu habituée à l'amour que le lien maternel se tisse dans une extrême lenteur, une extrême délicatesse. Qu'est-ce que votre maman va mettre en place pour arriver à créer la confiance ? La connivence va venir de quoi ? Vous parlez d'un bain qui a été un déclic dans ce livre. Ma mère, elle avait des... Parce que bon, les préjugés sont là. Prendre un bain avec son enfant, qu'on a adopté, voilà, il y a quand même le poids de tous les travers de la société. Et puis la psychologue dit non, vous prenez tout ce qui est plus naturel, votre esprit étant le même que le sien, il n'y a pas de souci. Et donc c'est vrai qu'on avait fait prendre un bain ensemble, et c'est là que ma régression s'est arrêtée. C'est-à-dire que mon corps, mon esprit ont percuté. C'est ta maman, c'est bon, tu peux reprendre tes 7 ans. Et vous changez de prénom ? Je change de prénom, oui, parce que justement, la vie change. Je vais à l'école, un rêve que je nourrissais depuis toujours. Vous n'aviez jamais été à l'école ? Voilà, donc je vais à l'école, j'ai des copines, j'ai des activités, je commence à parler français, je fais des travaux avec ma mère, je m'occupe des choses, je prends une existence, mais il y a toujours ce Valeria, Lyra en russe, Lyra, Valeria, Valeria. Et je me dis... Ce prénom, c'est celui de ma mère biologique. Mais c'est enfant, elle. Vous dites. Voilà. Ah oui, bah, j'avais 8-9 ans. Et non, je veux pas. J'entends, c'est sa voix que j'entends quand on prononce mon prénom. Et j'ai dit, je veux changer de prénom. Je ne veux plus porter ce prénom. Et c'est pour ça qu'on a choisi le prénom d'Hazel, qui est mon
deuxième prénom qui, voilà, c'est vraiment ce prénom-là a fait une totale renaissance. Et comme vous disiez, cette personne brisée, je suis une nouvelle personne construite. Mmh. Alors on a une sensation de dénouement, puis parce qu'on vous le racontait, vous avez le sourire. L'adolescence, ça se passe comment ? Mal, parce que on est dans l'instinct de survie malgré tout. En France, je me fais de nouveaux amis, je me fais une nouvelle situation. Et à l'adolescence, bah là, tout se fracasse, quoi. Déjà, l'adolescence, c'est pas évident. Mais là, c'était franchement, j'étais effondrée. C'est-à-dire que tous les démons étaient là, la culpabilité était là. Mon visage, j'étais plus enfant, j'étais adolescente. Mon visage ressemble beaucoup à celui de ma mère biologique. Dans le miroir, ce n'est pas moi que je voyais, mais elle. Donc tout ça, la culpabilité aussi, tout ça, ça me revenait. C'est vrai que j'ai eu 2-3 années très, 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 très difficiles. La situation est intenable. Hazel souffre, ses rapports au monde s'en ressentent. Frondeuse, elle réagit avec force et commence un travail sur elle-même. Mais cela ne suffit pas, elle se jette alors avec avidité sur la langue française. Elle l'apprend, s'en empare, la dévore comme ces milliers de livres qui composent sa bibliothèque aujourd'hui. Il ne pouvait donc y avoir pour elle d'autre destin que de devenir professeur de français et ainsi apprendre aux autres ce qui l'a sauvée, elle. Et alors, chose extraordinaire, j'allais dire, votre salut va venir par les études. Qu'est-ce qui était important pour vous pendant cette période où vous êtes étudiante ? Réussir. Avoir un travail, une autonomie, devenir une femme, construire mon foyer. Ça, c'est important pour vous quand vous êtes une jeune fille étudiante ? Oui, oui, beaucoup. Oui, oui, de faire ma vie, mais à l'inverse de celle que ma mère biologique avait faite. Donc, pour moi, oui, les études, c'est vraiment un échappatoire. Et puis, l'avantage de la littérature, c'est qu'il y a de tout. En lisant, on dit « Ah oui, c'est vrai ». Et c'est inconscient, mais on dit « Oui, c'est vrai, ça existe. Ça existait, je ne suis pas un cas à part. » Même si on le sait, de le lire, que ce soit écrit par quelqu'un avec ses mots à lui, on dit « Ah oui, en effet. » J'essaie de me mettre dans votre tête aujourd'hui. Donc, il y a les élèves. Oui, le quel travail. Genre de prof, quel genre de prof vous êtes ? Ils disent « Madame, vous, vous aimez bien, vous êtes un peu fofolle. » Ah bah, d'accord, merci. Mais j'imagine beaucoup de bienveillance chez vous, à leur égard, non ? Quand on a vécu ce que vous avez vécu, quelles sont les conséquences finalement quand on devient prof ? Ah, c'est ambigu. C'est-à-dire qu'ayant vécu des choses lourdes, j'ai du mal à pardonner à des gens qui ont vécu peu de choses et qui se plaignent. Dire « Oh là là, j'ai cet enfant est en divorce, sois pas trop dur avec lui. » Alors, mes collègues, eux, ils le savent pas. Alors, je fais « Oui, bon, d'accord, mais ça n'empêche qu'il a le droit quand même, quand je lui donne une copie, qu'il remplisse au moins son nom, son prénom, divorce ou non. » Prof de français, c'est extraordinaire pour une petite fille qui va naître à Saint-Pétersbourg, oui, dans la langue maternelle, je fais exprès de dire ce mot-là, parce qu'il y a un symbole, c'est le russe. Oui, bah oui, mais j'aime beaucoup. Les élèves ne le savent pas. Et j'aime beaucoup parce que j'ai découvert cette langue de l'extérieur. Donc j'ai vu, mais mon Dieu, c'est fou tout ce qu'on peut faire avec cette langue. C'est merveilleux, elle est dure à apprendre, je le reconnais. Mais une fois qu'on la sait, tout le vocabulaire, toutes les images, c'est une langue qui est riche de sens, qui est riche de descriptions. Littérature, c'est une chasse au trésor quand on lit un livre, de trouver des mots, des formulations. Alors c'est quoi votre monde à vous ? Parce que vous semblez très épanouie. Je vais même risquer un truc, on a l'impression que même vous êtes amoureuse. Oui. En Russie, les hommes, c'était quelque chose de très négatif, excessivement. Et en arrivant en France, à l'adolescence aussi, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que ça va aller, ça va pas aller ? Quand j'arrivais en France, je ne parlais aucun homme. Mon oncle, je ne lui parlais pas. Je le tolérais à peine dans la pièce. Et fort heureusement, je suis tombée sur quelqu'un qui est formidable, qui est vraiment un pilier sur lequel je me repose, mais aussi j'avance. Et du coup, voilà, tomber sur la bonne personne, c'est porteur. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vous détruit, mais quelqu'un d'autre peut vous faire aller beaucoup plus loin que ce que vous pensiez. Et quand vous pensez à l'avenir, vous pensez à quoi ? Fonder une famille ? Fonder une famille, oui. Si. Là, je suis jeune, j'ai envie de profiter de la vie aussi. Mais c'est vrai qu'à terme, avoir des enfants partout, que ça se passe bien, pas de colère. Mais vous imaginez quoi ? Des vacances ? Vous imaginez le petit-déj ? C'est quoi les images quand on dit fonder une famille ? Ah, des enfants turbulents. J'ai des enfants turbulents où je me fatigue et dire non, non, tu restes assis, non, tu. Ah ! Mais oui, c'est ça. Mais quelque chose. Par opposition à quoi ? Par opposition à la solitude. Que vous avez vécu enfant ? Voilà, à la solitude, oui. Mais après, je risque aussi d'être une mère assez rude. Parce que justement. Je ne vais pas accepter les petites choses de travers. Je ne vais pas les accepter en disant non, 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 tu fais ce que tu as à faire. Ça a aussi forgé le caractère, c'est-à-dire qu'on est moins dilettante. Votre mère biologique, aujourd'hui, vous la voyez comme une victime ? Ma mère biologique ? Ou comme un bourreau ? Comme un bourreau, parce que être prostituée, d'accord, ce n'est pas, c'est la vie. Mais faire ce qu'il en a suivi, non, ça change. C'est beau. Et le sentiment que vous éprouvez quand vous pensez à elle, c'est quoi aujourd'hui, à 25 ans ? Aujourd'hui, je ne suis pas fière du sentiment que j'éprouve à son égard parce que
Elle est vivante, je sais. Je sais où elle habite. Et j'ai des amis qui me disaient, quand je leur parlais d'histoire, des amis russes, qui disaient, mais si tu veux, nous, je peux payer quelqu'un, ça coûte rien en Russie, et puis il met fin à un séjour, de toute façon, en Russie, c'est comme ça que ça se passe. Vous avez entendu ça? Et oui, ils me disaient ça. Et moi, j'ai dit, non, laisse tomber. Je la préfère savoir seule, malheureuse, bourrée, défoncée, alcoolique, prostituée sur le tas, dans sa condition, qu'elle sente sa solitude au plus profond, le plus longtemps possible. Et j'ai honte de ressentir ça, parce que c'est un sentiment négatif. Je n'ai pas de pitié pour elle. Et je dis, plus elle souffre, plus elle en bave, que sans, juste de sa condition, ça me satisfait. Ça ne fait pas plaisir, mais voilà, je ne demande pas plus. Vous avez des contacts avec, par exemple, votre demi-sœur? Non, je n'ai plus de contacts. C'est le problème aussi des secrets de famille. Elle était plus jeune. Mon beau-père, c'est son père qui est mort, de façon dont on ne sait pas très bien. Elle, elle a été élevée dans l'idolâtrie de son père, qui était entre nous un gros salaud. On n'a pas le même point de vue. On n'a pas le même point de vue, parce qu'elle a été élevée dans le mensonge. Donc, à l'adolescence, je ne peux pas lui dire, je ne peux pas lui dire la vérité. Donc, du coup, voilà, le dialogue est de fait rompu et elle le sent. Donc, c'est elle qui ne veut pas reprendre. Enfin, elle ne reprend pas contact. Mais après, je lui ai dit, si tu as besoin d'aide, moi, je suis là. Si je devais retenir quelques mots de notre rencontre, ce serait quoi? La tête haute. Je ne suis pas l'héroïne d'une existence. Je suis quelqu'un. Je n'ai pas eu le choix. Je suis tombée sur la mauvaise carte. Je m'en suis sortie. Restez la tête haute. Quel que soit ce qu'on a fait. Quelles que soient les choses, avoir son système de valeurs, ses valeurs, ses buts, et rester la tête haute. Merci. Garder la tête haute, c'est ce qu'on va retenir. Avec un clignotant. Est-ce que vous voulez un autre café, un verre d'eau? Non, ça va. Si par magie vous aviez pu aller lui souffler à l'oreille quelque chose, vous lui auriez dit quoi à cette petite fille? Vous qui connaissez la suite de l'histoire. Tiens bon, je vous avais parlé de droit chemin à ce moment-là, je ne voulais même plus être dans le chemin. J'avais plus la tête haute et je leur ai dit ouais, tiens bon. Cela paraît si facile lorsqu'on écoute Hazel parler. Elle a la pudeur de ne pas dire la dureté de la reconstruction. Pourtant, une question revient sans cesse. Comment a-t-elle fait? C'est pour mieux comprendre, partager les solutions, redonner l'espoir que je voulais recevoir aujourd'hui les proches d'Hazel, les témoins de sa nouvelle vie. Vous m'avez parlé de tous les gens qui vous ont fait du mal. Je suis content de rencontrer des gens qui vous font du bien. Vous n'allez pas être déçus alors. C'est vrai? Ouais, c'est vous le détour quand même. Bienvenue. Bonjour. Enchanté. Frédéric. Bonjour. 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 Bonjour, je vous laisse me présenter. Pareil, hein. C'est Christophe. Au salon. Hazel, Christophe, je vais vous installer. Axel, Véronique. On y va. Donc, si vous avez soif ou faim, n'hésitez pas à vous servir. Merci. Du jus de pomme. Alors, je ne vous cache pas que je suis très très content de vous voir, parce que je viens d'entendre l'histoire de Hazel, et vous imaginez peut-être dans quel état je suis. Mais je voudrais, Hazel, que vous me disiez qui sont les gens que vous avez choisi d'inviter. Et donc, dites-moi un peu qui est là. Alors, il y a Axel. C'est une amie de lycée. On a fait les 400 coups en cours d'économie ensemble. Ensuite, il y a Madame de Montfort, Véronique, pour les intimes. Mm-hmm. qui sans qui le livre dont on a parlé n'existerait pas, Veux-tu une nouvelle maman? Donc, c'est une personne qui a permis de mettre au grand jour mon histoire, notre histoire avec ma mère adoptive. Et enfin, Christophe, qui est quelqu'un que j'aime, qui m'est très sympathique. Voilà. Bah, il est un peu familier, je trouve. Hein. Regardez, il a la main comme ça pour un gars sympathique. Bon, c'est votre fiancé. Voilà, c'est mon fiancé. Je suis étonnée de ne pas voir votre maman. Oui, bah, en fait, dans la vie, dans les relations, il y a des hauts, il y a des bas. Donc bon, en ce moment, c'est un petit peu tendu, mais ça reviendra dans le droit chemin. Donc aujourd'hui, elle n'a malheureusement pas pu être présente, mais ça se finira bien, j'en suis sûre. Le fait que la maman ne soit pas là, ça vous étonne? Ça me fait rire. Bon, c'est-à-dire? Parce que c'est une histoire normale. Attendez, c'est une mère et une fille, quoi. Moi, le nombre de fois où je me suis enguirlandée avec ma mère, je vois Donc ça me fait rire, parce que c'est normal. Je veux dire, c'est un couple mère et fille normal. Ah, vous dites un couple, vous? Oui. Un couple, mère-fille, vous direz la même chose? Une relation fusionnelle? Alors... Oui et non, fusionnelle, oui et non. Oui, parce que du coup, elle a dû être très présente. Elle a dû aussi écouter les choses qu'une mère n'a pas toujours envie d'entendre. Oui. C'est-à-dire, quoi. Mais après, non, parce que je dois construire ma vie.
elle, elle doit continuer la sienne. Donc les chemins se séparent. Et ils ne se séparent pas définitivement, mais voilà, ça se croise, ça s'entrecroise, ça se décroise. C'est la vie, quoi. C'est la vie. Si elle était là, qu'est-ce que vous auriez à dire à Adeline, en fait, celle qui est devenue votre maman? Je lui dirais bravo. Bravo parce que c'était pas gagné d'avance. J'étais pas particulièrement souriante, j'ai mon petit caractère, et malgré tout, elle a tenu bon. Et rien que pour ça, elle mérite d'être remerciée et d'être saluée, parce que je pense que beaucoup de parents biologiques auraient peut-être, ou d'autres parents adoptifs, auraient jeté l'éponge. Et elle, contre vents et marées, pendant des années, elle a tenu le cap, et c'est vraiment chapeau bas. Et alors, effectivement, on a parlé de ceux qui ont tenté de vous détruire au début de votre vie, et on est là pour que vous nous présentiez ceux qui, au contraire, ont apporté de la bienveillance. Donc, il n'y a presque pas besoin de mots quand on regarde votre complicité avec Christophe, mais est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez envie d'y remercier cet être humain? Pourquoi j'ai envie de dire merci à Christophe? Obligé, hein. Bah voilà. Alors, la rencontre, ça se passe comment? C'est un coup de foudre amoureux? Non. C'est une amitié, non, d'abord. Non, surtout pas. Non, pas du tout, du tout. Non, c'est une amitié, d'abord. C'est une amitié. Mais vraiment, une amitié, je pense, la plus simple. C'est beau. C'est beau, ouais. Je note. Quand elle vous raconte son histoire, qu'est-ce que vous, en tant qu'homme, vous ressentez? Alors, le moment où elle rentre dans le détail, j'ai envie de venir, non pas un héros, mais un vengeur masqué. Une colère, un sentiment, mais vraiment de justice. Vraiment, c'est le truc qui m'a habité le premier. Donc c'est le sentiment d'injustice et d'impuissance. Et d'impuissance. Ah oui, mais alors, c'est imparable. Parce que c'est le passé et qu'on ne peut plus y retourner. Quoi. On ne peut plus rien y faire. Puisqu'il y a eu des défaillances, finalement, chez les gens qui devaient lui apporter de l'affection et de la protection, est-ce que vous avez la sensation aujourd'hui de devoir réparer quelque chose, vous, en tant qu'amoureux? Oh, c'est prétentieux de dire ça. Non, c'est une question. Oh là là, non. Ça ne veut pas dire que vous seriez à la hauteur, mais vous pourriez avoir la tentation d'être dans cette situation. Non, non. Elle est forte, elle est grande, pas besoin. Mm-hmm. Non, pas besoin d'être réparé. Puis de toute façon, on ne peut pas réparer quelque chose comme ça, si ce n'est de devenir un vengeur masqué. D'accord. Donc on saura que c'est vous. Maintenant que vous êtes démasqué. Voilà, c'est des... On saura que c'est vous. Je voudrais vous montrer quelque chose de particulier. Vous savez que dans votre vie, il y a eu une personne parmi les 7 milliards d'habitants sur cette planète vivant. Il y a une personne, à un moment donné, qui a fait le choix de mettre en relation cette petite fille et cette maman. Oui. Elle s'appelle Roselyne. Roselyne, oui, oui, oui. Elle avait une association pour aider les gens à adopter des enfants. Elle avait elle-même adopté 2 enfants. Et la dernière fois qu'elle vous a vu, vous aviez 6 ans. Et la dernière fois que vous l'aviez... Oui, aussi, oui, vu. C'était juste avant mon arrivée en France. Ouais. C'est là que je l'ai vue. Vous ne l'avez pas revue? Depuis, non. Quel souvenir vous avez d'elle? Je l'avais vue à l'orphelinat. Elle était venue, c'est une femme... blonde, grande, très active, démonstrative, avec une voix un peu perchée. Je comprenais rien de ce qu'elle disait d'ailleurs. Bon. Et vous réalisez finalement le rôle qu'elle a eu dans votre existence? Ah bah sans elle, comme vous dites, elle a fait la connexion de 2 éléments, elle en a fait qu'un. Et c'est vrai que si elle n'avait pas été là, elle n'aurait peut-être pas eu l'idée d'Adeline, de ma mère adoptive, de moi. C'est vraiment elle qui a choisi, qui tenait l'affaire en fait. Oui. Bon, elle n'a pas pu être là aujourd'hui, mais... Je vous propose de voir quelques images d'elle aujourd'hui. Ah bah oui. C'est un souvenir très émouvant parce que j'ai vu arriver devant moi une petite fille fermée qui communiquait pas. Il se passait rien sur son visage. Et j'ai gardé cette image d'une enfant apeurée. J'avais dans mes bagages un recueil qu'avait fait sa future maman, donc Adeline, qui était magnifique, elle dessinait très bien et elle avait fait toute une histoire sur ce petit livret. Et donc on lui a présenté ce livret, je le lisais, la traductrice traduisait et tout. Elle était comme ça, elle regardait sans regarder, quoi. C'était impressionnant parce qu'il ne se passait toujours rien. Ce que j'ai ressenti, d'abord... Une angoisse en me demandant quelle était vraiment la raison de cette attitude. On peut aussi penser que cet enfant a un problème médical, qu'elle peut être autiste, on peut tout imaginer, puisque là, il n'y avait aucune communication. Donc avant de reprendre l'avion, je veux absolument la voir de nouveau. Et comme il y avait eu très peu de réactions la veille, je ne savais pas trop quoi transmettre à la maman. Donc j'avais envie... d'en savoir un peu plus, quoi, d'aller un peu plus vers elle. Donc je suis allée dans le dortoir de l'orphelinat
Et là, elle était sur son petit lit à droite, la couverture jusque sur les yeux. Et donc, je me suis assise sur le lit d'Azel. Et toujours fermée. Et puis, au bout d'un moment, je me suis mise à quatre pattes autour du lit. Et je me suis cachée sous le lit pour voir si, quand je réapparaîtrais, elle allait réagir. Au final, elle a fini par un éclat de rire. J'ai ressenti évidemment beaucoup d'émotions, mais en même temps, une petite victoire d'avoir réussi à la faire vivre, à la faire vibrer un petit peu. Donc, j'étais rassurée. Voilà, je suis partie rassurée. Vous vous rendez compte, la chance que vous avez, je vous appelle de l'orphelinat où elle est. Je me souviens parfaitement de ce coup de fil pour prévenir donc Adeline de la rencontre avec Azel. Et donc Adeline, étant une maman en attente, a une réaction tout à fait positive. Elle n'a même pas posé de questions. Elle a dit oui, je suis prête. Et c'était un moment fort pour elle, mais j'ai le souvenir de quelqu'un qui a été enthousiaste tout de suite, qui n'a pas eu d'hésitation. Ça, c'était formidable. J'aimerais beaucoup avoir de ces nouvelles, parce que c'est une histoire qui m'a marquée. Je lui demanderais de me raconter ce qu'elle est devenue, ce qu'elle fait. Voilà, j'aimerais connaître son parcours. Connaissant sa maman, je pense que c'est une enfant qui a dû bien évoluer et certainement intellectuellement arriver à quelque chose. Ah oui. Bon, c'est le même visage. Très, très jolie jeune femme. Ah oui. C'est émouvant, mais elle n'a pas vraiment changé, quoi. C'est ça qui est incroyable, c'est vraiment cette petite frimousse attachante. Moi, j'aimerais la voir en vrai, quoi. Je voudrais la voir vivre pour voir comment elle vibre. C'est ça surtout. Ça fait tout drôle de revoir cette dame qui, bon, les années sont passées. Oui, ça fait bizarre. Oui, j'ai l'impression qu'on est plus ému que vous, en fait. Ah oui, ouais. Moi, j'ai le souffle coupé. Et ce qui me marque, c'est qu'elle dit, cet enfant, on voyait qu'elle avait des problèmes. Elle ne savait pas, parce que le livre n'était pas écrit encore. Oui, hein, oui. C'était 25 ans plus tard, enfin des années plus tard, 20 ans plus tard. Elle ne sait pas ce que cet enfant a vécu. Elle voit que cet enfant a des problèmes. Et elle se demande si elle est adoptable. Et elle va se cacher sous le lit. Moi, ça donne des frissons. C'est-à-dire que j'ai l'impression que si vous n'aviez pas souri à ce moment-là, peut-être qu'elle aurait pensé que vous n'étiez pas adoptable. Ça se joue à ça, en fait. Bah oui, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est qu'on se rend compte que la vie, ça se joue à pas grand-chose. Veux-tu une nouvelle maman? Oui, non, on verra. C'est cette dame, Roselyne, qui a voulu faire une farce pour voir si j'avais encore, ou s'il me restait une once d'enfance, une once de sourire, d'un simple rire. Mmh. Cela a réconforté en disant que je n'ai pas été totalement cassée par mon histoire en Russie. Mmh. Alors Véronique, c'est vrai que j'ai été, vous êtes éditrice, et j'ai été surpris en fait quand j'ai dit à Azel, j'aimerais rencontrer des gens importants pour vous, et elle m'a dit mon éditrice. Et donc Véronique, vous qui avez donc choisi, alors d'abord, ce qui est incroyable, c'est que vous êtes à l'initiative de cette rencontre. Puisque vous êtes allée vers Véronique, c'était au Salon du Livre. Expliquez-nous d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? À quel moment vous décidez que votre histoire doit être racontée? Alors, ce livre, j'étais pas vraiment motivée totalement pour l'écrire, parce que je me disais, c'est un peu déballage de sa vie, je suis qui pour me dire, voilà, j'étais écrivain, tu vas écrire ce que tu veux. Alors, il écrit à quatre mains, Adeline a écrit sa partie, mais il disait, c'est prétentieux de dire, voilà, moi je suis auteur, je vais écrire, je vais me faire publier. Et puis finalement, je me suis dit, une fois qu'il était écrit, que le plus gros du travail a été fait, je dis, sans perdre les popettes, il mérite d'exister quand même, cet ouvrage. Et donc, j'étais dans les starting blocks. C'est-à-dire que vous l'avez d'abord écrit avant de trouver un éditeur. Oui, tout était... Avec votre maman adoptive, vous dites, voilà, on va écrire une autre histoire. Exactement, tout était prêt, tout était quasiment ficelé. Il y a eu quelques petites modifications, mais d'accord, presque rien. Et vous allez à la recherche d'un éditeur. Ah, moi, j'ai dans les starting blocks. Hein. Le plus long, c'était de passer la file de sécurité. Une fois que j'arrive au centre... Alors, attendez, vous décidez d'aller, parce qu'il y a plein de gens qui envoient des manuscrits, qui reçoivent des réponses négatives. Vous faites un choix différent. Ah oui, bah, le moment était fini au mois de février, au mois de mars, il y a le Salon du Livre. D'accord. Je dis, ah bah c'est l'occasion, allez. Donc, motivée. Non, mais c'est étonnant, pourquoi vous n'avez pas fait le choix d'envoyer, comme beaucoup, un manuscrit? Pourquoi vous avez dit, je veux voir les gens en vrai, c'est ça? Oui, bah, je pense qu'on se fait beaucoup d'avis sur les gens en les voyant, parce d'accord, que les mails, les appels, c'est très facile de noyer tout ça. Puis quand on a une personne en face, qu'on lui pose des questions, on voit tout de suite sa réaction et on voit tout de suite si elle est motivée ou non. D'accord, elle vous dit quoi alors? Vous vous rappelez de quoi?
Alors, en fait, moi, je l'ai vu arriver. C'est-à-dire, le stand était assez en longueur. Et elle arrive et je me souviens d'elle physiquement. Donc, son image s'est imprimée dans ma tête physiquement. Parce qu'elle est grande, mince, blonde. Et Adeline était derrière. Elle arrive droit devant moi. Et elle me dit, bonjour, est-ce que vous éditez des témoignages? Et je dis, absolument. Une histoire comme la mienne, vous n'en avez pas. Bah, attendez, je suis éditeur quand même. Ma spécialité, c'est les témoignages. Il fallait quand même vachement avoir du couleur pour arriver sur le salon du livre, dans mon stand, dire, écoutez, ma petite dame, écoutez bien vos trucs, mais moi, mon histoire, elle est meilleure. Pas de chichi entre vous. Non, non, rien du tout. Ça m'arrangeait bien. Côté cash, on va en parler dans un instant. Non, non, c'était clair, quoi. Et tout est écrit. Tout est là, j'ai écrit avec ma mère, on a écrit à quatre mains, c'est rare, c'est difficile d'écrire à quatre mains. Elle a donné sa vision et moi j'ai raconté ma vision d'enfant. Et vous qui aviez entendu beaucoup d'histoires dans votre vie, pourquoi celle-là particulièrement? Mais d'abord, c'est un miroir. L'histoire d'Azel est un miroir, l'histoire d'Adeline est un miroir. C'est l'histoire de la maternité, de la naissance et de l'enfance. Et j'ai une mère et j'ai une fille. Donc, automatiquement, il y a un système de miroir qui se met automatiquement en route. Et je me suis projetée dans Saint-Pétersbourg et je vous ai vue toute petite. C'est une vision terrible, hein, parce que j'ai une petite fille, donc c'est une vision terrible. Et je me suis dit, elle ne pouvait pas mourir. Cet enfant-là ne pouvait pas disparaître, cet enfant-là ne pouvait pas mourir. Cet enfant-là devait vivre, cet enfant-là devait raconter son histoire. Et cet enfant-là, c'est elle. Et vous savez ce qui m'a frappé, Azel? C'est que d'abord, moi, j'ai pleuré plusieurs fois en lisant le livre. Mmh. Et j'ai été surpris que vous ne pleuriez pas en racontant votre histoire. Et j'étais content parce que comme ça, je n'ai pas eu à pleurer avec vous. Alors, je ne savais pas si c'était parce que vous étiez préparé à raconter votre histoire et surtout ne pas craquer. Mmh. Ou est-ce que finalement, c'est l'envie qu'on n'ait pas pitié de vous? Je ne suis pas quelqu'un qui se complaît dans son malheur, dans ce qu'il a vécu, absolument pas. Donc, de la pitié, non. Je comprends que vous ayez de la colère, parce que je l'ai eue et je l'ai encore un petit peu vis-à-vis de ma mère biologique. Mais après, non. Et aujourd'hui, on se sent bien, vous êtes extrêmement épanouie. Et on se demande comment on fait pour passer de l'un à l'autre. Qu'est-ce qui a été nécessaire? Et là, je pense à tous les parents qui adoptent des enfants et qui se disent, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour arriver à faire oublier ces traumatismes à ces enfants? Déjà, du point de vue d'Adeline, beaucoup de patience. Ça, quand je disais bravo, c'est ça, beaucoup de patience, beaucoup d'amour aussi. Adeline a raconté quelque chose. Elle me disait, Azel, quand elle était toute petite, vous deviez avoir 6-7 ans, elle a eu un moment où elle était tout le temps collée à Adeline, tout le temps. Et elle se glissait sous le t-shirt d'Adeline pour être prête. Et Adeline me disait, je ne comprenais pas pourquoi elle faisait ça. Et moi, en tant que mère biologique, évidemment, je l'ai compris. Quand on a un bébé dans le ventre, on a un gros ventre et on a un t-shirt qui fait comme ça. Donc elle rejouait la scène. Exactement. Et ça, il faut de façon inconsciente. De façon totalement inconsciente de la part d'Azel. Et je dirais, Adeline elle se demandait, est-ce que je fais bien? Est-ce que j'ai raison de la prendre contre moi? Est-ce que je ne fais pas une erreur? Et je voyais la petite Azel, parce que là, la grande Azel, moi, je voyais la petite Azel cachée en dessous du t-shirt de sa maman pour avoir de la chaleur. Et c'était très, très, très émouvant. C'est un moment très... Et alors, l'écriture de cette histoire, le fait de consigner ce passé, est-ce que ça a eu une conséquence dans votre psychologie, dans votre vie? Ça a été, je crois, la dernière purge. Une fois que c'est couché sur le papier, ça existe. Il n'y a plus besoin de le raconter. De le rabâcher, ou de le ruminer. Voilà, de le ruminer. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où il a été mis sur papier, j'ai pris une distance énorme en disant, ça y est, maintenant, il a été écrit, il a été posé, je peux passer à autre chose. C'est vrai, oui, oui. Et est-ce qu'il y a des traits de caractère, parce que vous la connaissez depuis longtemps, finalement, vous aussi, Christophe, est-ce qu'il y a des traits de caractère à elle qui pourraient s'expliquer avec cette histoire? Côté dur, un côté dur, et elle se laisse pas faire. Oui, oui, oui. Parce que tu niaques un peu comme ça. Et puis, écoute, moi tu qu'on parle de la même personne, là. Mais non. C'est vrai qu'en cours, je peux être assez rude, et on ne vient pas me chercher des noces comme ça. Mm-hmm. On réfléchit à deux fois, si on a envie de me mettre des bâtons dans les roues, faut voilà. Mais ça veut dire quoi, en fait? Vous voyez comment? Comme quelqu'un, justement, qui a subi et qui ne veut plus subir qui... Oui, c'est ça. C'est que la vie est trop courte pour perdre du temps avec des gens qui vont vous perdre le temps, de perdre de l'énergie, parce que l'énergie, il faut la garder. Hein. Quand on parle avec elle, cette petite fille n'a jamais subi. Elle a toujours refusé d'être une victime. Et c'est pour ça qu'elle est vivante. C'est ça. D'ailleurs, si je devais faire passer un message, c'est de ne pas être une victime. Parce que quand on se dit « Ah oui, c'est vrai, je suis victime », on n'avance pas. Donc au contraire, il faut dire « Ok, j'en ai bavé, mais c'est pas grave, je continue, je tiens le cap et puis on verra. » Tout à l'heure, pendant notre entretien face à face, vous avez parlé de votre demi-sœur. Mm-hmm. Si j'ai bien compris, vous me disiez que vous lui avez signalé qu'elle pouvait revenir vers vous,
qu'elle pouvait revenir vers vous si elle en avait envie, mais que vous compreniez qu'elle ne puisse pas le faire. Je veux savoir si vous vraiment, parce qu'elle fait partie de ce passé douloureux du coup, si vous vraiment vous aviez envie qu'elle soit dans votre vie aujourd'hui. Quand je suis arrivée en France, j'avais qu'un seul mot à la bouche, c'était son prénom. C'est-à-dire que je ne parlais pas français. Et dès que j'ai pu m'exprimer, j'ai dit, ouais, je veux la retrouver. Parce que c'était vraiment ma lueur en Russie. C'est pour elle que je me suis battue. Et c'est le seul élément positif que j'ai de la Russie. Donc, je ne voudrais absolument pas rompre définitivement contact. Et si on pouvait continuer, perpétuer ce lien qui naquit dans la douleur, malheureusement, mais qui est finalement très positif, absolument. Et pour préparer cette rencontre, vous m'avez confié des photos et vous m'avez donné des coordonnées de gens que je pouvais interroger pour savoir un petit peu qui vous étiez. Vous m'avez donné son mail. Mm-hmm. Alors je l'ai contactée. Mm-hmm. Et elle m'a répondu que vous étiez la bienvenue à Saint-Pétersbourg. Oh, rien. Qu'elle avait envie de vous revoir. Mm-hmm. Et elle m'a envoyé des photos d'elle aujourd'hui. Vous ne l'avez pas revue depuis l'enfance ? Non, depuis le... Je montre à tout depuis monde, le soir, mais soir, je ne l'ai pas revue, non. Ah bah oui. Ouais. Vous l'imaginiez comme ça, adulte ? Non, je ne me projetais absolument pas sur son portrait, ça vous. Merci beaucoup. C'est touchant, c'est troublant. J'avais besoin de savoir si c'était une bonne nouvelle parce que j'étais à deux doigts de ne pas vous les donner. Parce que j'aurais accepté, j'aurais compris que vous n'ayez pas envie forcément de la revoir parce qu'elle fait partie d'un passé douloureux encore une fois. Ah non, absolument. Et vous, ça vous fait vraiment plaisir. Formidable. Tu regardais ? Oui. J'ai tenu bon pour elle. Quoi. Ça, c'est une bonne raison d'aller à Saint-Pétersbourg pour lui dire ça. Mais ça serait une bonne occasion, comme vous dites. Dans un instant, moi, je vais vous présenter des gens qui comptent pour moi, parce que vous me présentez des gens qui comptent. Je voulais savoir si vous aviez quelque chose à lui dire, puisqu'elle vous a dit merci. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, puisque chaque rencontre nous apporte quelque chose. Donc, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à Axel? Vas-y. Moi, je voudrais lui dire merci, parce que malgré tout ce qu'elle a vécu, elle a toujours été là, avec, comme elle disait, comme un rayon de soleil. Et même quand les autres n'allaient pas bien, alors qu'au final, on aurait pu se dire qu'elle allait encore plus mal, non, elle a toujours été là. Et quand elle a dit que c'est grâce à moi qu'elle a eu son bac, moi, je lui dis la même chose. Elle a piqué mes fiches de révision, Non, parce qu'elle a toujours été là et voilà, et que je l'aime très fort. Ouais, c'est sympa. Merci. Véronique. Ah, je dirais deux choses. Elle m'a appris quelque chose en tant que mère et en tant que fille d'une mère. Je n'aurais pas lu l'histoire, je n'aurais pas compris beaucoup de choses. En tous les cas, elle a été un miroir pour moi qui m'a permis d'être différente. Et vous, Christophe ? Hazel s'est retrouvée sur votre route. Et qu'est-ce que cet être humain vous a apporté ? Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? Merci d'exister. Et que je l'aime. On ne peut pas faire autrement que de l'aimer. Parce qu'elle est sincère. Et merci. Vous avez peut-être entendu du bruit dans la cuisine. J'ai des amis qui sont venus, que je voudrais vous présenter. Et c'est vrai que vous m'avez présenté des gens qui comptent. Et j'ai envie, à mon tour, de vous présenter des gens qui comptent. Et j'espère que vous allez comprendre pourquoi je les adore. Parce que ce sont des gens qui me mettent de bonne humeur. Ils me donnent le moral. Parce qu'ils sont un peu effarés de ce qu'on vit, finalement, dans nos sociétés ou dans le monde dans lequel on est. Ils sont assez choqués par les injustices, justement, et tous les fléaux de ce monde. Donc, on ne va pas parler de choses tristes. On va quand même évoquer ce qui se passe. Et eux sont à la recherche en permanence de solutions qui marchent. Du boulot. Je vous laisse entre vous deux minutes. Je vais voir où ça en est au niveau du déjeuner, parce que c'est mes amis qui font à manger. D'accord. C'est une exploitation, ça, non, ça... Non, mais ils sont super bons. D'accord. On se retrouve dans un instant. Ok, c'est parti. Merci. Je pense que je pense du parti. On va lui faire sentir. D'accord. Oh là là, je crois que... Comment est-ce? Tu serais bien. Attends. J'entends rire depuis tout à l'heure. Ça sent super bon, c'est quoi qu'on mange quoi? Alors, on a préparé une petite... La Luc, et on se croit ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a préparé? Parbleu. Alors, on a préparé une petite salade de tomates avec des noix et du peu de persil, tout simple. Et après, on a fait une espèce de... On a appelé espèce, ça... Espèce, j'aime pas le mot espèce. Bon, et parce que j'avais du mal à trouver le nom. Je crois qu'on va appeler ça un caviar de légumes. Ah, parce qu'on choisit le nom au dernier moment. Ouais.
T'en as inventé. Selon le résultat. Ouais, voilà. J'ai inventé, voilà. Luc, tu m'avais dit que c'était de la coriandre, mais non, tu me dis que c'est du persil. C'est quoi le problème? Non, ça c'est pas du persil, c'est de la coriandre. Là-bas, il y a du persil. Alors lui, il est bon à rien. À ce niveau-là, il est heureusement qu'il est super à côté sur plein d'autres trucs. Mais là, il y a... lui, il va falloir le former. J'ai l'impression de vous présenter mes invités. Je leur ai donné envie de vous rencontrer alors que vous étiez formidable, donc grosse pression. Pour nous donner un petit peu envie, il y a quelqu'un qui peut me donner un peu envie là. Tu te souviens de ça? Je me souviens que c'est une tomate. La tomate de ton enfance que tu mangeais dans le jardin de ta grand-mère. Moi, je pensais que vous allez me présenter des idées qui marchent, des gens formidables, vous me parlez des tomates. Alors ça, c'est oui, parce qu'en fait... Parce que les tomates viennent d'une idée qui marche. Et c'est quelqu'un qui a décidé aussi d'être en autosuffisance et qui a voulu recréer un jardin magnifique. J'ai hâte, et sans vous mettre la pression, j'espère que c'est bon, parce que mes invités ont accepté de manger à leur espagnol. Bah oui, bien sûr, oui, il n'y a pas de... Tu vas voir ça. À tout de suite. On a hâte aussi. À tout de suite. À tout de suite. Ça va aller. C'est très bien. On va faire du pain grillé.